Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment coudre à la surjeteuse un angle. Vous voyez ici, j'ai besoin de faire, de surjeter ce petit bout ici. Je vous montre comment faire tout en une seule fois sans avoir plein de bouts de chaînette de partout. Allez, c'est parti! J'ai commencé à surfiler ma pièce. Je vais arriver ici, là, à l'angle qui m'intéresse. Et donc là, pour coudre l'angle, surjeter l'angle, je vais juste surjeter, mais aller un peu plus loin que le tissu. Voilà. Une fois que je suis allée un peu plus loin que mon tissu, mes aiguilles sont en l'air, je lève mon pied presseur et en fait je viens repositionner le tissu, le côté qui me reste à surjeter sous mes aiguilles et je repars. Je vais faire la même chose avec l'autre angle, je saute un petit peu, mes aiguilles sont en l'air, je lève mon pied presseur et je viens repositionner mon tissu sous les aiguilles. J'ai fait le tour de ma pièce, voici le résultat. Voilà, j'ai pas plein de bouts de chaînette qui se baladent. Hop, juste un seul bout ici, c'est-à-dire où j'ai commencé et où j'ai terminé. Voilà le résultat. Donc effectivement, il y a quelques petits fils qui dépassent, mais rien de méchant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée sur la chaîne de la petite Sève. Bye bye !